Continuité, un double opportunité. Ensuite, on a le but des Nantais, malgré une maîtrise plutôt stéphane. Diatta, hein, remplacé par Fousseni Diawara, blessé au genou. Attention, le coup français tiré, mais... c'est dans le but. L'égalisation de Saint-Etienne dans les arrêts de jeu par Pascal Feindouno. C'est son cinquième but de la saison. Il devient le meilleur buteur du club cette saison. Donc, sur ce coup franc magnifiquement tiré, il vient placer sa tête. C'est Geoffrey Dernis qui a tiré ce coup franc du pied gauche. Il me semble qu'elle a été touchée quand même par un antenne. On va revoir ça. Là, il touche Feindouno. De la main non, en plus. De la main. C'est bien ce qu'il me semblait. Signorino qui touche légèrement de la main. Donc, c'est ça. Mais en tout cas, le but est Feindouno parce qu'il a réussi à surprendre le gardien, oui, c'est Signorino qui a mis la main exactement. À la fin de match. Ouais, mais cette frappe de Boukari. Et Dino. Possibilité pour Dernis. Jeannot. Et les Verts qui vont égaliser. Voilà la montée de